foutre? Bon, ta gueule! RFM, c'est bien, mais pas en vidéo, non? On va se faire striker, sinon. C'est pas bien de pas partager. Ah là là, le setup incroyable. Du cul. Alors allez, vas-y, la ceinture, elle va passer dedans. Allez, ah même pas. Bon. Bon, ça va devoir aller comme ça, hein? Bonjour, c'est Rémi, dimanche 18h, je suis en train de sortir de chez moi et on est en bagnole aujourd'hui puisque on va simplement effectuer comme un peu prévu, on va dire, à la base. Oui, je regarde derrière parce que j'ai pas envie de prendre une bagnole, tu vois, c'est pas frérot, je tape directement, tu vois, genre boum, dès le début de la vidéo, tu vois, je pète la caisse, enfin, c'est lourd. Pendant que les voisins m'ont vu en train de parler à une caméra, c'est assez bizarre, je vais donc vous effectuer proprement le petit retour sur 10. Le support Belkin Pro Car 20 Pro de ouf là, de la mort qui tue, qui est juste ici derrière l'iPhone. Je vais vous en dire un petit peu après quelques semaines d'utilisation ce que j'en pense réellement. Alors en plus ici ça tombe bien, je suis dans mon village encore, là je viens de partir et en fait on a la particularité d'avoir, et vous le savez à force, des routes qui sont un peu cabossées. Donc bah en voiture pourquoi? Bah tout simplement parce que le support il est prévu pour être monté en voiture, donc je me suis dit bah pourquoi pas faire cette vidéo en voiture, c'est toujours sympathique. Donc l'objet en lui-même, le support Belkin Car 20 Mount Pro, putain j'ai réussi à le dire. Vous l'avez vu donc sur la vidéo que je vous mets tout de suite en carte, en fiche, tout en haut là, le petit i information. Donc ça c'est la vidéo de déballage et je vous avais aussi donné ma première impression à chaud juste après l'achat de... Bonjour monsieur, monsieur, hein, collègue. Je vous avais donné ma première impression à chaud sur ce support en fait en unboxing, c'est difficile à dire, sorti de la boîte en fait. Et là j'ai pu l'utiliser pendant quelques semaines en réalité, hein, parce qu'entre la vidéo de déballage et cette vidéo là, il s'est passé quand même quelques semaines, les joies des vidéos enregistrées. Hein. Donc là vous voyez typiquement les routes dont je vous parlais, c'est des routes qui tapent un petit peu, qui secouent un petit peu, ça doit se voir à la GoPro. Là on attaque des routes un peu plus lisses, mais typiquement en fait ce support qui est un support MagSafe avec l'aimant MagSafe à l'intérieur, compatible avec les iPhones sans coque et avec coque MagSafe. Si vous avez une coque qui n'est pas MagSafe, j'ai quelques doutes sur la tenue du téléphone. Ça peut marcher si la coque n'est vraiment pas trop épaisse. Je pense qu'au bout d'un moment, les aimants auront quand même du mal à supporter le poids du téléphone avec les bosses, etc. Bah dis donc, il fait sombre. Et donc, du coup, après quelques semaines d'utilisation, eh bien, mon avis sur ce support, c'est que il est au final très bien. J'ai découvert les joies de tout le temps aller claquer mon iPhone qui est juste ici. Hein. Je suis en train de prendre le son avec, en plus. Mais je découvre les joies d'avoir un support tel que ça, un support aimanté pour un téléphone mis sur la grille de ventilation, et à chaque fois que je monte dans ma voiture, bah bim, je claque l'iPhone dessus et on n'en parle plus, ça tient tout le trajet. Et justement moi j'ai une coque Apple MagSafe, donc il y a les aimants du MagSafe qui sont intégrés à la coque, donc niveau tenue du téléphone avec les aimants, oula, attention le chien, il peut y avoir une scène de crime dans la vidéo. On aurait passé dans le crime sur Energy News. Et ben au niveau des aimants, j'ai aucun souci, j'ai vraiment pas à me plaindre pour l'instant. Le téléphone tient bien, j'ai pas peur en fait d'aller mettre mon téléphone sur ce support là, sachant que c'est aimanté bien évidemment. J'ai pas peur du tout, ça fait pas peur à avoir comme support, sachant qu'il est quand même assez large, hein, vous le verrez dans la vidéo de déballage. Le support il est quand même assez large, du fait de la taille de l'aimant aussi, hein, c'est quand même un sacré aimant. Et en fait, bah moi vu que j'ai une coque MagSafe, c'est un aimant qui est aussi dans la coque, donc ça pose pas de problème avec une épaisseur trop épaisse de coque, une épaisseur trop importante de coque qui ferait que l'aimant de l'iPhone en lui-même est un peu trop loin de l'aimant du support. Et donc, bah regardez, là typiquement on a des routes un peu cabossées normales, tu vois, campagne, tu vois, voilà, avec quelques trous, quelques bosses. Là on le voit l'iPhone, hein. Voilà, admirez simplement. Hop, des routes plus lisses. Et ben ça tient en fait, ça fait pas peur du tout. Ça fait absolument pas peur de passer même dans des pavés. Là j'ai pas de pavé ici sous la main, mais donc vraiment en fait pour 39,95€, je sais pas s'il est toujours à ce prix là actuellement, mais en fait c'est un support qui fait pas du tout peur. Bonjour monsieur avec votre camion, allez-y. Je vous en prie, collègue. Merci monsieur. Et ben ça fait pas peur du tout. Voilà.
Je veux dire, on peut vraiment y aller avant de pouvoir décrocher l'iPhone. On va encore se faire des petites routes assez sympathiques, assez piquées des hannetons, vous allez voir ça. Alors effectivement, 39,95€, le support il est entièrement en plastique. En fait, la finition c'est tout plastique, mais c'est quand même propre. À 39,95€, moi je me serais quand même attendu peut-être à quelque part un peu d'aluminium, surtout en fait sur la partie ici derrière qui vient se fixer à la grille d'aération. Je me serais attendu à avoir une partie en aluminium, et en fait, pas du tout. C'est entièrement du plastique. Le caoutchouc qui vient se mettre sur l'ailette de ventilation, il est assez rigide pour tenir le support et l'iPhone. Là en l'occurrence c'est un iPhone 12, c'est aussi compatible avec l'iPhone 12 Pro Max par exemple, et l'iPhone 12 Pro aussi hein, vu que c'est le même gabarit que l'iPhone 12 classique. Bien à mon avis vous n'aurez aucun mal à placer à sa tape, mais en fait vous n'aurez aucun mal à venir placer votre iPhone dessus, et comme je vous le dis ça ne fait pas peur du tout. Vraiment c'est un support que je vous recommande vraiment. Après l'avoir testé comme ça pendant quelques semaines, je peux vraiment vous faire donc ce retour dessus et vous dire que vous pouvez y aller. Alors 39,95€, effectivement c'est un peu cher épicé pour ce que c'est, mais ça fait le taf. Camion poubelle, alors hein, il en fout, camion poubelle devant nous, mais il en fout. Sinon, c'est qui ramasse nos ordures? C'est pas genre, c'est un peu comme ce que je disais en début de vidéo, c'est pas genre, je vais taper les bagnoles. Puissance! On va arrêter, j'ai fait peur aux gens. Bonjour madame, bonjour monsieur, nom de Dieu. Et la ressouille, la voiture! Non mais voilà, en fait, on pourrait s'attendre à avoir quand même un prix un petit peu moindre que 39,95€. Éventuellement, s'il y a des promos un jour, soit sur l'Apple Store, soit sur une autre boutique où vous pourriez le trouver, bah sautez dessus, c'est franchement un bon support. Après, si vous voulez le payer plein pot, 39,95€, sur l'Apple Store toujours, puisque moi, je prends ça en référence parce que c'est là-dessus que je l'ai eu. Faites-vous plaisir, allez-y, c'est le Belkin Car 20 Mount Pro. Vous voyez, les petites routes là. Avec des petits nids de poule là. On va prendre un peu le bas-côté là, tu vois, pour que ça tape un peu là. Hop. Bon, pas trop quand même, hein, je viens de relaver la voiture, donc elle est propre. Bah allez-y, tout simplement, je vous le recommande ce support. Malgré son prix peut-être un tout petit peu trop élevé, mais je vous le recommande. Allez-y, c'est vraiment du bon matos. Et bah écoutez, j'ai plus trop rien à vous dire sur cette vidéo. Le principal y est, c'était Rémi. Merci d'avoir suivi encore une fois cette vidéo. N'oubliez pas l'abonnement, c'est très important à la chaîne. Il n'y a que comme ça que je peux gagner en fait en visibilité. Donc abonnez-vous à la chaîne. C'est toujours gratuit, mettez la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. Route barrée, chez demi-tour. Messieurs, dames, bonjour, je fais demi-tour chez vous. Désolé. On se casse, messieurs. C'est pas moi. On va ressouiller un peu là, vas-y. Petite route là comme ça, avec des virages là. Hop là. On va enrouler les virages. Ah oui, n'oubliez pas aussi les réseaux sociaux, les voici pêle-mêle et en lien dans la description de cette vidéo. Voilà, allez messieurs, dames, rendez-vous dimanche prochain à 18h pour la vidéo de la semaine. La semaine prochaine, épisode de Carrettes, où on parlera un petit peu de la nouvelle DS4 que DS a présentée. Eh bien, on en parlera, tout simplement, voilà. On verra un petit peu ce que c'est et ce que j'en pense, etc., etc., quoi, voilà. Des bisous à tout le monde, au revoir. Avec mon 1,5 litre DCI 105 chevaux, je vais vous faire un départ. Un départ du Seigneur. Putain, j'aurais pu passer. Un départ du Seigneur. Hey, toi, hey. Petit départ, hein. Voilà.